Il y a le procès en ce moment qui se tient, un procès historique et très fort hein, qui façonne notre mémoire collective. Autant dire que cette commémoration du 13 novembre sera d'autant plus symbolique et sans doute nécessaire pour les proches des victimes, six ans après l'horreur. Une série d'hommages donc ce matin pour ne pas oublier les attentats qui ont fait 130 morts dans la soirée du 13 novembre 2015. Yasmin Akatou, ce sont au total six commémorations qui vont avoir lieu ce matin. Oui, les cérémonies suivront la chronologie des attentats de la nuit du 13 novembre. Premier hommage prévu à 9h au stade de France, là où en 2015 Manuel Diaz a été la première victime des terroristes. Une gerbe devrait être déposée par Jean Castex. Le premier ministre sera accompagné de quatre autres membres du gouvernement, dont le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Seront aussi présents le maire de Saint-Denis, Mathieu Anotin, et la maire de Paris, Anne Hidalgo. Quatre autres cérémonies se poursuivront devant les restaurants à le Petit Cambodge, le carillon, la bonne bière, le comptoir Voltaire et la belle équipe. Cette matinée d'hommage s'achèvera devant la salle de concert du Bataclan où 90 vies ont été fauchées. À chaque fois, les noms des victimes seront cités. Aucune prise de parole n'aura lieu, nous dit l'Élysée. L'événement se veut sobre cette année alors que le procès des attentats du 13 novembre est en cours. Yasmina Katou.